Maîtrisez le haki d'observation dans la vraie vie. Arrêtez les shurikens en crachant des boules de feu. Méditez tout en haut d'une montagne en pic sur un caillou. Ou encore mieux, attachez des réacteurs de fusée à son skateboard pour aller plus vite. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va tester tous les mythes qu'on voit dans les mangas et dans les animés pour voir si c'est possible de les faire dans la vraie vie ou si c'est juste des mythes et c'est pas vrai. On est parti, Ikimasho. Hey, Trungi, pourquoi ta veste elle est déchirée? Ah, ouais, ça c'est rien, c'est parce que je me suis battu avec l'Akatsuki avant de venir. Let's go! Et on commence direct avec le premier mythe. On va voir si le Naruto Run, ce que vous connaissez tous, ça sert à vraiment à quelque chose. Est-ce que ça permet vraiment d'aller plus vite? On va courir 50 mètres en courant normalement. 50 mètres avec le Naruto Run, on verra quel est le meilleur temps. Let's go, Ikimasho. 3, 2, 1, partez. Bon là on a fait 4,43 en courant normalement. C'est le matin, je suis déjà mort là. Franchement, bon, on va voir si on va plus rapidement en faisant le Naruto Run. 3, 2, 1, partez. Bah écoutez Minasan, on a fait 4,30 avec le Naruto Run. Donc est-ce que ça aide vraiment ou pas? On allait un petit peu plus rapide. Vite validé, on a été plus rapide même si c'est un dixième de seconde. Ça compte quand même, on passe au mythe suivant, Ikimasho. Trunky, on est là. Ouais ouais on est là. Okay. On se retrouve pour le deuxième mythe de manga dans la vraie vie et on va faire le haki de l'observation de One Piece. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait en ayant les yeux bandés, je suis capable de voir les coups que va me mettre mon adversaire. Donc il y a voir le caméraman qui va se mettre derrière moi. Je vais m'asseoir et je suis censé pouvoir éviter les coups de bâton qu'il va me mettre. Ikimasho, c'est parti. T'es censé me taper tout doucement à un côté ou sur la droite ou sur la gauche et je suis censé esquiver au moment où tu vas taper. Ok? D'accord. On commence tout doucement, vas-y, tout doucement. J'ai rien senti. On continue. Ok, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Tu l'as esquivé. Je l'ai. Hey. Ah ouais, pas mal. Non, ok, vas-y. Ok. J'ai pas envie de te faire mal aussi, tu vois ce que je veux dire? Tape un peu plus fort. Ah, il y a eu un truc. Presque. Il y a eu un truc, il y a eu un truc. Aïe. Plus fort. Aïe. Aïe. Est-ce que tu sens vraiment que le truc, je sens rien du non, tout. Non, tu sens rien. Je sens rien du Parce tout. Que même comme ça, tu le sens même pas là. Non. Vas-y. Aïe! Ouais, il était fort celui-là! Bon, écoutez, Minasan, je pense que le haki d'observation dans la vraie vie, c'est impossible. En tout cas, pas à mon niveau. Le mythe n'est pas validé. On passe au mythe suivant. Pour ce mythe-là, on va s'inspirer de ce qu'on voit dans l'anime Mashle. D'ailleurs, regardez Mashle, l'anime est incroyable. Dans cet anime, il y a Mash, le héros, qui fait du breakdance et tellement il va vite en tournant sur la tête qu'il crée une tornade. Donc, est-ce que c'est possible de créer une tornade en tournant sur la tête? C'est ce qu'on va voir. Ok, donc on tourne sur la tête et on va voir si on fait une tornade. C'est parti! Alors frérot, ça fait une tornade ou pas? Ça fait pas une tornade frérot. T'es sérieux? Ouais, tu sais quoi? On va mettre des fumigènes et là ça va vraiment faire une tornade, ok? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Là, on a les fumigènes attachés. On vous rappelle, on est des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Et on va voir si avec la fumigène, ça fait vraiment une tornade. Let's go. Oui, j'ai dinguerie. Est-ce que ça faisait une tornade là, ou pas? Là, ça faisait une tornade. Hein. Vraiment? Ouais. Bon bah, le mythe est validé. On peut passer au prochain mythe, Minasan. Pour ce mythe-là, j'avais vraiment hâte de le faire. On va voir si c'est possible, comme dans Hunter x Hunter, de se battre avec des pièces. C'est Goto qui se bat avec des pièces contre Hisoka. Et on va voir si c'est vraiment puissant. Alors ça, vous connaissez en fait la technique. C'est pas de faire ça. La technique pour se battre avec des pièces, c'est de le mettre dans le coin ici et de claquer des doigts super fort pour que ça passe super loin, super vite. Regardez. Par contre, faut bien viser parce que sinon, je vais devenir pauvre à la fin de la journée, moi. Kamina-san, let's go! Vous visez, c'est facile. Maintenant, est-ce que ça fait des dégâts? On va voir ça tout de suite avec ces planches. Si on arrive à les défoncer, c'est que c'est validé. Alors, le truc, c'est que dans l'animé, il les lance comme ça. Pour avoir plus de puissance. Moi je sais pas si c'est comme ça qu'il faut les lancer ou comme ça. On va essayer les deux, voir lequel défonce le plus. Prêt? J'ai perdu ma pièce. Alors comme ça c'est plus facile pour viser, mais je pense qu'on a moins de puissance. Et après on essayera avec la technique pour la plus de puissance. Oh! Là, juste ici, petit dégât. On va voir si on peut le défoncer. On est parti, deuxième essai. Oh! Oh! Oui! Bah écoutez, se battre avec des pièces, et vraiment cette technique elle est incroyable. Regardez, je vous la remets. Toute petite pincée de sel. Elle est incroyable, sauf que, imaginez ça, avec toute la puissance fait Goto, et tout le nez, il faut vraiment claquer de toutes ses forces, et ça part en tournant, plus avec la force du poignet. T'as failli prendre ta part. Du coup, ce mythe-là, il est validé, se battre avec des pièces comme dans Hunter x Hunter, c'est bon, on passe au prochain mythe. Ok, Minasan, on se retrouve pour le prochain mythe, et celui-là, je suis pas du tout confiant, parce que déjà, d'une, je suis pas du tout un mec qui fait du parcours, et de deux, aujourd'hui, ça glisse de fou. Donc on va faire comme dans My Hero Academia, quand Deku, il s'entraîne à maîtriser son alter, et il saute d'immeuble en immeuble pour faire gauche-droite, un petit peu comme Mario. Avec 5%, je suis capable de grimper. Je devrais pouvoir sauter de mur en mur, et ça serait classe si j'y arrivais. Ok, premier essai.
Mais en fait, j'ai pas assez d'élan. Mais c'est vraiment qu'il n'y ait pas assez de place pour me retourner, je pense. Allez. Du coup, vu que la méthode comme ça, on peut pas parce que c'est trop étroit, on va faire l'autre méthode et on va dire que c'est validé. Ok, Minasan, est-ce que c'est possible de monter des immeubles en faisant du parcours comme des coups et qui machin? On va dire que c'est semi-validé parce que des coups il fait tac, tac, tac. Mais c'est trop étroit ici pour faire ça. Si jamais j'arrive à trouver un endroit qui est pas assez étroit, je vous le ferai pour la prochaine vidéo, ok? Et du coup on passe au mythe suivant. Et Ikimashou, c'est semi-validé on va dire. Pour le prochain mythe, dans Naruto, ils arrêtent des shurikens et des kunai en faisant un katon, en crachant une boule de feu. Donc là on va voir si en crachant du feu, c'est possible d'arrêter des kunai. C'est parti. Katon! Vous savez que je maîtrise le katon, mais ça fait un an que je l'ai pas fait. C'est parti. Reçu en pleine tête, le mythe n'est pas validé, Minasan, ça ne marche pas. On passe au mythe suivant. Pour le prochain mythe, ils sont toujours en train de se taper dans les mangas et les animés en faisant des mouvements de breakdance. Donc ok, c'est stylé, mais on va voir si c'est vraiment efficace. Donc Enzo qui est ici, il va me rentrer dedans avec deux moves de breakdance et on va voir si je suis à l'hôpital. Let's go. Ouais. Oh. En vrai ça va. On fait le deuxième move, celui-là il est plus dangereux, il est plus stylé. Let's go. J'ai peur, on commence, vas-y. Ah, j'avais peur. Il m'a donné un coup dans la fesse. Bon, du coup, Minasan, moi je vais bien, j'ai pas fini à l'hôpital. Le mythe n'est pas validé, on passe au suivant. On se retrouve pour l'avant-dernier mythe, et celui-là, vous allez vraiment le kiffer, j'ai trop hâte de l'essayer. On va faire comme Détective Conan, pour ceux qui connaissent pas, on va mettre des réacteurs de fusée accroché à notre skateboard et on va voir si ça le pousse vraiment beaucoup ou pas du tout. Let's go. Donc là, on a attaché nos moteurs de fusée au skateboard, on n'a plus qu'à les allumer avec cette pile et ça va partir. On se met pas dessus, on va voir si juste 100 personnes dessus déjà ça avance et après on en mettra 4 et on se mettra dessus pour voir à quelle vitesse on va. Bien sûr, il est évident de vous rappeler, on est des professionnels, ne faites pas ça chez vous ou en tout cas pas sous la surveillance d'un adulte. Pourquoi ça a avancé dans ce sens-là, je comprends pas. Et la roue, elle est toute molle tellement ça a brûlé la route. Fallait faire dans l'autre sens, on s'est trompé de sens, mais ça a bien marché en vrai. Donc heureusement qu'on a fait un test. Maintenant, on va les mettre dans le bon sens et on va se mettre dessus. C'est parti, Minasan, Ikemashou. Putain, les 4, ça va être incroyable. Les branchements sont faits. Maintenant, il manque plus qu'à monter dessus et à faire le crash test. Est-ce que on peut skater avec des moteurs de fusée dans la vraie vie comme dans les mangas? On va tester Smith, c'est parti. 3, 2, 1. Est-ce que le mythe est validé ou est-ce qu'il est pas validé? Pour moi, il est vraiment pas validé du tout. Parce que vraiment, la puissance que ça avait. Et pourtant, c'est des vrais moteurs de fusée super puissants. On est parti, Minasan. On se retrouve pour le dernier mythe, Minasan. Et là, ça va être incroyable. Dans Naruto, lorsqu'il s'entraîne à maîtriser le mode Sennin, il médite sur des pics tout en haut d'une montagne. Et il doit pas faire en sorte que le truc il bouge. Donc, on va méditer là-dessus et voir si c'est vraiment possible de faire comme dans Naruto ou si c'est juste une rumeur. Si on bouge pas du tout en méditant, si ça, c'est possible de méditer dessus. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal, mais quand il y aura 80 kilos dessus, ça, on n'en sait rien. Let's go. Ok, Minasan, là, on est parti. On va s'aider de notre caméraman et d'une planche de bois pour monter dessus. Et après, on va tout lâcher. Oh là là. Ça fait flipper, Minasan. Je vous rappelle que c'est fait par des professionnels. Là, je lâche. Là, tu tiens pas, là. Là, je tiens pas. Mais t'es sérieux? Attends, parce qu'il faut méditer. Hein. Ah, putain. Minasan, c'est possible. Deuxième essai, Minasan, on va l'éclater. On est reparti, deuxième round. Wow. Tu sais ce qui me fait peur, c'est juste de tomber là-dessus. Concentre-toi. Là, t'es bon. Parti. Le Sennin Mode, c'est validé. Méditer en haut d'un piquet, comme dans Naruto, c'est validé. Incroyable. Eh, hey, j'ai le mode Sennin, Minasan. Putain, la zette silicone. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi c'est quoi le mythe que vous avez préféré de toute la vidéo. Et pour la prochaine, surtout dites-moi c'est quel mythe de manga que vous voulez vérifier dans la vraie vie. Mettez des likes, commentez, partagez au maximum, surtout ça aide beaucoup la chaîne. Et moi d'ici la prochaine vidéo, j'ai qu'une chose à vous dire. Bon, attends.